Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation de Microsoft Guide. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les fonctionnalités de cette application ainsi que ses différents cas d'usage. Nous diffuserons également une vidéo de démonstration de cette application. Microsoft Dynamics 365 Guide est une application HoloLens qui vous permet de concevoir et d'exploiter des guides d'instruction en réalité mixte. Il offre ainsi à l'utilisateur toute la force de l'hologramme et de l'interactivité pour assurer la compréhension et la rétention de l'information. L'objectif est simple, apprendre en faisant. Nous identifions deux principaux cas d'usage de cette application. Le premier va être la formation et l'apprentissage, de manière à apporter de la formation contextualisée à l'apprenant et développer l'apprentissage par l'action. Et le second, l'assistance à la production pour accompagner l'opérateur et lui proposer un soutien en cas de besoin. Microsoft Guides dispose de trois fonctionnalités. La première fonctionnalité est destinée aux formateurs. Elle va être la création de contenu pédagogique grâce à un outil simple d'usage. La seconde fonctionnalité est destinée à l'apprenant ou à l'opérateur et va être l'exploitation de ces contenus grâce au casque HoloLens. Enfin, l'analyse des usages va vous permettre d'éditer des statistiques de manière automatique. Pour illustrer ces propos, regardons ensemble une vidéo de démonstration. Lorsque vous lancez Microsoft Guides, l'application va vous demander la position d'un QR code qui a été utilisé par le formateur pour ancrer les éléments contextuels dans le champ de vision du futur opérateur. Dans cet exemple, il est positionné en bas à gauche de la machine et nous pourrons ensuite l'analyser pour le trouver. Vous voyez, il me suffit de m'approcher et le QR code est automatiquement détecté. Microsoft Guides fonctionne avec son regard. C'est-à-dire que ici, pour sélectionner un bouton, il me suffit de pointer mon regard dans le curseur. La première étape de mon guide va être de choisir le langage de celui-ci. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai deux choix. Le fait de pouvoir choisir via l'écran ou en touchant un des deux drapeaux. Dans cet exemple, je sélectionne le drapeau français. Le guide peut commencer avec une première étape, contrôler s'il y a de la pression dans les tuyaux. À ma gauche, j'ai une image d'illustration, à ma droite, un texte et une flèche qui m'indique où regarder. Je passe à l'étape suivante. Il est également possible d'intégrer des vidéos de démonstration dans les guides. À ma gauche, une vidéo explicative de comment dévisser le manomètre. On aperçoit également un hologramme me montrant le sens pour le dévisser. Je valide cette étape et Microsoft Guides me demande de le remplacer par un nouveau manomètre. Mon opération est validée, mon guide est terminé, j'ai réussi à remplacer le manomètre grâce à Microsoft Guides. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les fonctionnalités de Microsoft Guides ainsi que ses différents cas d'usage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur synergis.com.